Pour certains aujourd'hui, la journée a commencé sous une fine ou forte pluie. En tout cas, on vous souhaite de passer une excellente journée. Merci d'être fidèle à BF1 et de choisir le Loft. On est heureux de vous retrouver comme chaque lundi. On entame ensemble une semaine et vous le savez, dans le plateau du Loft, on apprend, on échange et on essaie de grandir encore plus. Alors aujourd'hui, j'ai une immense surprise, comme ça, pour ne pas dire plusieurs surprises pour vous sur ce plateau. Mais surtout, je vous promets une très belle émission qui va nous édifier parce que moi, je sens que je vais énormément apprendre aujourd'hui et j'ai l'immense plaisir d'avoir des grosses pointures à mes côtés. Donc, je peux vraiment me vanter aujourd'hui, au début de cette semaine, d'être très bien accompagnée parce qu'aujourd'hui, vous le savez, moi, en général, quand je commence, j'installe d'abord les dames, et pas n'importe quelle dame. Donc, juste à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Odile Sankara. C'est un grand nom du théâtre, comédienne, metteur en scène. Merci d'être là. Comment ça va? Ça va très bien. Est-ce qu'elle a un micro? Donc, je lui offre gracieusement un micro. Merci. Comment ça va? Ça va très bien. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est la première fois que je vous reçois. Mais ce n'est certainement pas la première fois que nos téléspectateurs vous voient à la télé. Donc, passez-leur le bonjour. Bonjour, chers téléspectateurs de BF1. Et merci beaucoup à toi de nous recevoir. Plaisir. Et nous allons passer de très bons moments, j'espère. Moi, je le sens, déjà. Et en face de nous, alors, il y a trois personnes. Il y a des hommes de part et d'autre, mais il y a une lumière au centre. Voilà. Donc, elle, en fait, quand elle est sur scène, on ne voit qu'elle. Safourat. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je ne sais pas s'ils ont entendu la fin. Comment ça va? Ça va très bien. Le tas est bien sorti. Il est bien sorti? Il est bien sorti, je l'ai entendu. Mais est-ce qu'ils ont entendu le Safoura? J'espère. Ah, j'espère aussi. J'espère. Bienvenue sur notre plateau. Merci Stéphanie. Ce n'est pas la première fois que je te reçois, mais c'est la première fois sur ce plateau. Tout à fait. J'espère que tu te portes bien. Je me porte très bien. Et que tu as encore grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Je pense, j'espère aussi. Pas en taille. Mais bon. Non, ouais. Non oui, c'est, ouais, non, 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 c'est pas en taille. Mais... Eh bien, comédienne, aujourd'hui avec toi, on va apprendre à découvrir ton métier. Enfin, on va apprendre à découvrir tous les métiers qui sont sur ce plateau de toutes les façons. Alors, dis-moi, on présente qui ensuite? À ta gauche ou à ta droite? Alors, je préfère qu'on commence... par la droite. Eh bien, on va commencer par ta droite, qui est ma gauche. Donc, on va présenter Issoufia Guibou, scénographe. Oui. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Première fois également. Oui. Est-ce que le scénographe, il est souvent sur scène? Moi, très rarement. Souvent, on nous demande sur scène. Mais c'est le metteur en scène quand il sent qu'on peut apporter quelque chose qui nous demande sur scène. D'accord. Et ensuite, maintenant... Alors, en fait, il y a une petite phrase qu'on dit souvent, on garde le meilleur pour la fin. Il y en a qui dit souvent, on commence par le meilleur. Du coup, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire là. Toujours est-il que nous avons la chance d'avoir également sur ce plateau Aristide Aragda, directeur des Récréatrales. Bienvenue. Merci. Pas la première fois sur ce plateau non plus. Tout à fait. C'est un immense plaisir de vous avoir. Alors, peut-être pour tous ceux qui sont familiers des visages ou des titres que j'ai donnés, sauront que l'on est vraiment de plein pied dans l'univers du théâtre. Sinon, il y en a certainement qui vous découvrent. Donc, les amis, aujourd'hui, on va apprendre à comprendre comment ça se passe. Depuis l'esprit jusqu'à ce que nous, on s'asseye à nos places et qu'on dise « Ouais, c'était super, bravo, belle pièce !» Comment ça se passe, le processus de création d'une pièce de théâtre? On va essayer, en tout cas, de savoir comment ça se passe. Et naturellement, on va parler des récréatrales qui arrivent vraiment vite. À grands pas. À grands pas, on va le dire comme ça. Mais avant, j'ai dit, on va découvrir les métiers. Donc, on va commencer par le même tour de table pour déjà essayer de donner une petite explication sur chaque métier que l'on a cité sur ce plateau aujourd'hui. Les dames d'abord. Est-ce qu'on commence par la comédie ou on commence par la mise en scène? tout est lié. Naturellement, oui. Tout est lié. Donc. Alors, vaste sujet. Hein, ça, c'est clair. Que de parler du théâtre, du processus de création, du travail de l'acteur,
la place de l'auteur, les scénographes, les costumiers, c'est tout un monde. C'est tout un univers comme ça, on ne se rend pas forcément compte. Exactement. Alors le metteur en scène, il fait quoi? Ou elle fait quoi, vu qu'on est, on a affaire à, ben, une femme? Je pense qu'on est, on est au moins deux metteurs en scène sur ce plateau. Le metteur en scène, il fait quoi? Alors, il faut savoir que le métier de metteur en scène, il est arrivé un peu plus tard, hein, pour dire que celui vraiment qui fait le travail, c'est l'acteur, c'est le comédien. Mais aujourd'hui, le metteur en scène a pris une place assez importante, parce que le regard extérieur est très, très important. L'acteur seul sur le plateau ne peut pas se diriger. Donc, il fait un œil extérieur et c'est ce rôle-là que le metteur en scène joue, un rôle d'orchestration. Une espèce de chef d'orchestre du jeu d'acteur sur la scène. Et de tous les autres métiers qui gravitent autour du plateau. Donc c'est lui qui va orchestrer tout ça à la fin. Voilà. Souvent on dit que le metteur en scène, c'est un peu le tortionnaire de tous ceux qui travaillent. En tout cas, si, oui, exactement. Ça dépend des acteurs. Voilà, c'est ce que je voulais dire aussi. Ça dépend des acteurs. Ça dépend des acteurs. Il y a des poussées d'adrénaline, de colère, des fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on descend du plateau, quelqu'un qui est novice et qui vient s'asseoir, voir une répétition, dit « Ouh là là, là là, c'est chaud, hein ?» Comme on parle aux acteurs là, ouh là. Mais quand on descend du plateau, on devient des camarades, on va boire la bière. Mais c'est clair, tout simplement. C'est un métier de famille, c'est très sympa. C'est vrai que la prochaine question, tout le monde peut y répondre sur ce plateau, mais je vais quand même l'adresser à Saforata. Le tas, tu vas le subir aujourd'hui. Jusqu'au bout. Je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter de le dire. Ça ne me dérange pas. D'accord. Donc, comédienne, pour quelqu'un qui découvre le métier d'acteur, enfin, le monde du théâtre qui vient, qui dit, c'est quoi un comédien? Enfin, concrètement, c'est quoi la charge de travail d'un comédien? Waouh! C'est aussi vaste comme elle le dit. L'acteur, le comédien, c'est celui qui interprète. C'est celui qui essaye de rendre au mieux, mais pas tout le temps évident, un rôle, un personnage, et d'aller chercher la psychologie d'un personnage, le physique d'un personnage, son intellect et tout ce qui s'ensuit. Et le comédien, c'est un être fragile, c'est celui qui est tout le temps dans les balbutiements, c'est celui qui cherche, qui tombe, qui se relève, qui n'est jamais stable. C'est ça le métier de l'acteur. Mais au-delà de ça, le comédien, c'est celui qui a de la chance d'aller dans plusieurs univers, de toucher à beaucoup de choses. C'est être acteur, je prends un exemple, je peux avoir la chance de jouer et une première dame, et je peux avoir la chance de jouer même un président. L'acteur, c'est celui qui a la chance de toucher au monde, de toucher aux êtres. Qui peut vivre sa vie de rêve. Qui peut vivre sa vie de rêve sur le plateau. C'est ça. Wow, c'est magique. Mais après, quand même, c'est beaucoup de boulot derrière. C'est énormément de boulot. C'est des heures de répétition. C'est des heures d'incertitude. C'est des moments de crise sur le plateau. C'est du boileau. Ah, c'est sûr. C'est des rencontres aussi avec des auteurs. Parce qu'un bon acteur... En fait, il n'y a jamais de bon acteur. Tu peux être bon sur tel projet et tu te retrouves sur un autre projet. Tu rencontres un auteur avec qui ça ne passe pas. D'accord. Donc, c'est des moments de choc. Et parfois, tu peux tomber sur un auteur et puis ça passe. Ça passe très bien. Tout comme tu peux tomber sur un auteur, ça passe, mais avec le metteur en scène, c'est des chocs. Okay. Donc, il faut avoir beaucoup d'humilité, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute. En gros, c'est ça. Une grande envie d'apprendre. Une grande envie d'apprendre, toujours et toujours, parce que l'acteur est celui qui n'apprend, qui ne finit jamais d'apprendre, qui est perpétuellement en train d'apprendre, jusqu'au bout. C'est sûr, c'est beaucoup de boulot. On va faire une petite digression à la première configuration, parce que tu as cité l'auteur, et juste à côté de toi, il y a un auteur. C'est vrai que... Donc forcément, on va parler de l'auteur dans le théâtre.
Est-ce que c'est différent de ce qui se passe ailleurs? C'est quoi un auteur quand on parle, quand on est dans l'univers du théâtre? Alors, c'est quelqu'un qui écrit des histoires, pour être simple et basique, des histoires à raconter, des histoires qui le traversent, qui le portent, des histoires qui le hantent. Qui l'hante, lui, à son tour. En tout cas, c'est quelqu'un qui essaie de poser un geste qui permettrait à l'ensemble des autres métiers cités là tout à l'heure de se réunir, de se rassembler et de provoquer un moment de communion, un moment d'échange, parce que finalement, c'est ça le théâtre. Mais pour moi, tous les autres sont des auteurs aussi, c'est-à-dire que quand à partir d'un texte, tu interprètes, tu fais œuvre d'écriture, le metteur en scène, à la metteur en scène écrit, c'est pareil pour les scénographes, enfin, lui il est mieux placé pour en parler, mais c'est aussi une écriture. Donc on peut dire que enfin, le théâtre que nous faisons, cette forme-là, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le théâtre, il y a des gens qui le font sans passer par le texte, mais qui... Voilà, mais en tout cas, celui que nous faisons, l'auteur est celui-là qui met en branle, celui-là qui convoque les autres écritures à partir de son écriture. Donc voilà, pour moi, écrire, c'est ça, c'est mettre en route plusieurs processus. Mmh. Mais comme les autres l'ont dit, c'est pas du tout évident parce que c'est un métier qui est très exigeant, qui te demande beaucoup de sacrifices, comme les autres, comme comédien, comme metteur en scène. Donc le théâtre, de façon générale, pour moi, c'est un métier très rigoureux. Bon, oui. Mais écrire l'est encore beaucoup plus dans notre société parce que ça te demande de t'isoler, de pouvoir avoir du temps consacré à ça. Et en même temps, tu dois nourrir la famille, etc. Donc, ce n'est pas un métier qui est tellement reconnu. Et le social sacré, il ne faut pas l'oublier. Ben ouais, ça sacré. Et puis, il y a, comment dire, tous les tabous, les censures. Enfin, c'est pas évident, quoi, comme métier. Mais c'est plaisant. C'est plaisant quand il est choisi, Est-ce qu'on peut devenir auteur si on ne l'a pas choisi? Oui, je pense. Enfin, le champ des possibles est vaste, c'est-à-dire que tu peux y aller par contrainte, comme j'aime à le dire. Je suis arrivé au théâtre par contrainte, ensuite je l'ai choisi après par ennui, et puis c'est devenu une passion. Donc, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'est révélé. En fait, c'était les montagnes russes de l'orientation. Exactement. Voilà, donc les chemins sont sinueux. Ouais. On ne vient pas au métier de la même façon. Donc oui, je pense qu'on peut ne pas le choisir au départ. Et puis, ça se révèle être la chose que... D'ailleurs, je pense qu'on arrive au théâtre, en tout cas tel qu'on le fait ici, par tâtonnement, c'est-à-dire tu arrives, tu sais pas trop, et puis ensuite, petit à petit, ça se précise, ça s'aiguise, tes désirs s'aiguisent au fur et à mesure. Et puis, bon, voilà, c'est... Donc, on va vers le métier, mais après, il vient à nous, je pense. D'accord. Voilà. Okay. Et un autre métier que l'on a cité ici, c'est la scénographie. Qui est souvent, en tout cas du grand public, pas très connu. Parce que souvent, bon, sérieusement, moi, la première fois que j'ai entendu parler de scénographie, je me suis dit, non, en fait, tu voulais dire sténographie. La personne me dit, non, scénographie, mais c'est quoi? Et j'ai eu la réponse, donc je repose la question encore une fois aujourd'hui. C'est quoi la scénographie? C'est quoi un scénographe? C'est quoi son travail? OK. Moi, je vais essayer parce que la plupart du temps, nous, on est dans l'ombre, oui, on n'a pas l'occasion de pouvoir s'exprimer. Et la scénographie, c'est comme Aristide vient de le dire tantôt, c'est l'écriture de la scène. Ouais. Et avec, à partir d'un texte ou d'un thème, on essaie de matérialiser les différents espaces dans lesquels on veut raconter notre histoire. D'accord. Voilà, la scénographie de manière ramassée, je peux l'expliquer comme ça. Okay. Et la scénographie aussi, on va le dire, c'est un métier importé. Sauf que si on voit vraiment en profondeur, ça se faisait d'une manière en Afrique, mais ce n'était pas forcément noté. Parce c'est que si vous prenez par exemple la sortie du Moro Naba, les choses ne sont pas installées au hasard. C'est clair. C'est installé de sorte à ce qu'il n'y ait pas le soleil qui le tape le visage, qu'il n'y ait pas. Ouais, ça se faisait d'une manière
C'est entièrement réfléchi. C'est entièrement réfléchi. Peut-être pas forcément couché sur papier. Voilà, ce n'était pas conceptualisé, merci. Oui. Voilà, mais aujourd'hui, avec la scénographie qui nous est venue de l'Occident, voilà, on essaie aussi d'aller dans ce sens-là, mais vraiment en revenant à nos sources, parce que la scénographie telle que vue là-bas et puis ici, ça ne va pas forcément ensemble. Parce que là-bas, vraiment, ils ont vraiment toutes les chaînes qui vont avec. Mais ici, le scénographe, c'est la personne qui réfléchit, qui réalise, qui même après revient le régisseur de salle, qui démonte, qui range, qui fait tout. Qui s'adapte en fait au contexte et à la situation. En gros, d'accord. Donc, si on veut résumer, c'est celui qui crée en fait la scène où se joue la pièce. Oui. C'est ça. Mais avec tout ce qu'il y a derrière qu'on ne voit pas et tout ce qu'il y a comme magie un peu dessus. Est-ce que la lumière fait partie du travail de la scénographie? La lumière est une branche qui travaille aussi avec la scénographie. D'accord. Parce que lors d'une création, il y a le scénographe, il y a l'éclairagiste, il y a les costumiers, il y a souvent le maquilleur, il y a le son. Oui. Donc, mais ce sont des métiers qui complètent la scénographie. On travaille tous ensemble pour pouvoir avoir un produit. Sinon, après, on aura un son qui sort ici qui ne va pas forcément avec ce que le metteur en scène veut. On aura des costumes qui ont des couleurs qui ne vont pas forcément avec les décors. Voilà. Donc, c'est un peu un travail de groupe. Oui. Voilà. Généralement, presque tous les techniciens travaillent ensemble. En tout cas, c'est juste pour vous dire, chers téléspectateurs, que là, on n'a même pas un échantillon de tous les métiers du théâtre, parce qu'on n'a pas assez de place sur ce plateau pour caser tout le monde, c'est sûr. Mais on espère, en fait, derrière, susciter une certaine curiosité à votre niveau pour que vous vous rendiez compte, en fait, de tout ce qu'il y a comme travail derrière pour qu'une pièce de théâtre vienne à la vie. Mais c'est quoi le théâtre? D'où ça vient? Nous avons notre charmante Thierry qui est super curieuse, qui aime bien chercher. Donc, elle nous a ramené un petit élément. Regardez, on revient. Parce que l'Afrique se définit souvent comme un continent d'oralité. En effet, bien qu'il existe d'innombrables traces d'écritures africaines, au cours des siècles qui précédaient la colonisation, la transmission des savoirs y est dans bien des pays rituellement basée sur des contes. C'est en effet dans les villages, autour de l'arbre à palabre, que les anciens et les notables se réunissent pour organiser la vie en commun de leurs concitoyens. Et ces arbitrages prennent souvent la forme de contes musicaux, plus ou moins théâtralisés. Il y a donc une théâtralité africaine traditionnelle et ancestrale. Pourtant, ce que l'on nomme aujourd'hui théâtre africain, et qui est un ensemble de formes artistiques bien vivantes, est un héritage de la colonisation de l'Afrique par les nations occidentales. En ce sens, le théâtre africain contemporain s'inscrit dans l'histoire actuelle du théâtre francophone, anglophone ou lusophone. Mais en même temps, il y a dans le théâtre africain une pluridisciplinarité. Théâtre, conte, musique et danse y sont fréquemment mêlés de façon indissociable et une étonnante vitalité notamment au niveau de l'écriture. De plus, peut-être parce que le théâtre est affaire de conflit, c'est-à-dire en grec, drama signifie action-conflit, les artistes de théâtre, bien que minoritaires et confrontés à d'immenses difficultés matérielles, sont souvent aux avant-postes des politiques de développement culturel en Afrique. Ainsi, on leur doit une bonne partie des équipements culturels privés de qualité susceptibles de fleurir sur le continent. On peut citer l'Actor Studio du metteur en scène ivoirien Sidiki Bakaba, le Festival Ki d'Abidjan Côte d'Ivoire, le Festival international de théâtre au Bénin, le Carrefour international de théâtre de Ouagadougou au Burkina Faso, l'espace Lingatere de Bangui en République centrafricaine, l'espace Mégablon et le Festival des réalités de Bamako au Mali, le théâtre des intrigants et l'écurie Maloba de Kinshasa au Congo, les rencontres de théâtre international du Cameroun à Yaoundé, le FITMO à Ouagadougou au Burkina Faso, les récréatrales à Ouagadougou au Burkina Faso, le FESTA, Festival international théâtre pour la paix au Sénégal. En outre, une large part de l'activité des artistes de théâtre africain est orientée vers le théâtre utile, à savoir le théâtre de sensibilisation et le théâtre forum. Ben voilà, donc ça c'est ce qu'elle nous a trouvé. Donc un commentaire. Oh, mais
C'est bien de réentendre, de redécouvrir ces espaces, ces courants et puis toutes ces énergies. C'est bien, bravo. On se rend surtout compte que c'est quand même vivant en Afrique, le théâtre. Ça existe, il y a du mouvement, ça vit. Oui, non seulement ça existe, mais il y a de plus en plus un foisonnement, un engouement, malgré que c'est difficile. Il y a beaucoup de jeunes qui viennent au théâtre. Et le théâtre aussi, comme le dit le reportage, porte beaucoup les politiques de développement. Nous, on dirait simplement le développement des humains. Mm-hmm. Notre ambition, c'est ça, quand on parlera des récréatrales, c'est comment créer le lien social. Parce que c'est un art social de toute façon. Et comment créer le lien social, que le théâtre ne reste pas cette chose, dit-on, entre guillemets, élitiste, à tort, souvent. rapidement, c'est ce que je peux dire. C'est le développement de l'humain. D'accord. Je pense que c'est la première définition pour moi du théâtre, en tout cas la finalité. Mmh. D'accord. C'est ça. Mais quand même, moi j'ai envie de revenir sur la partie où on parle du théâtre élitiste réservé à une certaine classe sociale. Et à côté de ça, on parle du théâtre forum, du théâtre de sensibilisation. On a l'impression que ça, c'est conçu vraiment pour tout le monde, pour éveiller les consciences. Est-ce que théâtre égale à théâtre, finalement? Non. Théâtre n'égale pas à théâtre, mais pas dans le sens où c'est pas accessible à tout le monde, dans le D'accord. sens où c'est différentes esthétiques, c'est différents styles, c'est différentes façons de voir, de faire. Ce sont des démembrements, des branches d'un même tronc, on va dire. Mais en tout cas, à l'intérieur, il y a des questions de goût. Et c'est parce que aussi, on remet en cause ce que l'autre fait, pas pour la guerre, mais parce qu'on veut apporter autre chose, que finalement on enrichit le théâtre. Donc pour moi, tout ça, c'est un enrichissement du vaste champ qu'est le théâtre. Après, il y a des questions de langue, d'écriture, d'accessibilité, et puis aussi... De moyens, peut-être Non. Les moyens, non, parce que c'est pour moi quand même je parle du créateur. D'accord. Je parle pas après okay. Quand je dis attention, on a besoin de moyens financiers c'est pour faire. Mais après, pour la création, j'ai envie de dire, on a besoin d'être bien portant. On a besoin d'être. Parce que c'est justement parce que c'est un espace de prise de liberté, un espace où on stimule l'imagination. Que c'est très intéressant, qu'on peut contourner justement, qu'on peut les inventer, les moyens. Ouais. Voilà. Mais finalement, c'est quoi le point de départ d'une pièce de théâtre? Est-ce que c'est quand c'est dans l'imaginaire de l'auteur ou c'est quand on décide de lui donner vie sur scène? À quel moment le processus démarre? C'est vaste, il me semble, et ça dépend des gens. Justement, on a cité les différentes formes. Je prends l'exemple, par exemple, parce que je viens d'une école, l'école de Jean-Pierre Guingané. Il y a eu plusieurs façons de procéder, par exemple, quand on était à Gambidi. Il y avait les fois où il avait conçu le texte, où il faisait appel à un autre auteur qui avait déjà écrit, Sony, Shakespeare, en tout cas, il y avait plusieurs auteurs. Ouais. Et puis, on était sous sa direction, donc il convoquait une équipe de création, donc des acteurs, l'auteur, et puis le metteur en scène, les scénographes, et puis ensemble, on partait à l'aventure, parce que c'est ça, c'est une aventure. Et puis, des fois, il y avait l'écriture collective, c'est-à-dire on partait d'une idée, sur le plateau, et puis les acteurs improvisent. Entre parenthèses, c'est comme ça d'ailleurs que c'est cette pratique qu'a voulu prolonger Étienne en mettant en place les récréatrales dans un premier temps. Donc partir du plateau, à partir d'une idée, d'un thème, et puis chaque acteur produit quelque chose, et puis l'auteur, celui qui est censé être auteur à la base, donc qui n'a pas un texte préécrit, et donc récolte ces différents matériaux-là, et revient
avec un texte plus tard. Donc voilà, pour moi, il y a plusieurs façons d'entrer là-dedans et c'est tout aussi important parce que ça permet aux personnalités de s'exprimer. Être. Voilà. Mais du coup, moi, j'ai envie de me tourner vers Odile pour savoir, dans ce genre de situation, si on prend ce modèle de construction d'une pièce de théâtre, quelle est la place du metteur en scène, si chacun apporte quelque chose? Comme je l'ai dit tantôt, la place du metteur en scène, c'est quand tous les éléments, tous les matériaux, parce que dans le processus de création, on a tout un temps de recherche, oui. De balbutiement, d'incertitude, et donc qu'on va appeler improvisation ou travail de table, qui peut prendre différentes formes. On peut aller voir d'autres auteurs qui sont en lien avec l'auteur à partir de la thématique, où on peut voir des vidéos, des films, on peut sortir dans des espaces complètement, aller visiter des lieux, en tout cas quand il y a les moyens. Le processus, il peut s'étendre jusqu'à ce niveau-là, dans des espaces différents. D'accord. Alors, donc, y a, dans le processus, il y a les improvisations. D'accord. Et c'est là qu'on va avoir tous les matériaux et peut avoir un travail préalable aussi avec tous les autres métiers qui vont prendre forme et sens. C'est-à-dire les scénographes, le costumier, costumière, le technicien son, lumière, etc. Donc il y a tout ce travail qui peut être fait avec le metteur en scène en aparté, hors plateau, discutant simplement sur le texte à partir de la thématique, des idées qui s'y dégagent. Qui lui permet, lui ou elle, de aussi de créer. De construire un peu tout ça. De construire tout ça. Et donc, après tout ça, que le metteur en scène va vraiment orchestrer. D'accord. Mais en filigrane, tout ce processus, il est en lien. D'accord. Il est le fil rouge. Bah oui. Voilà. Parce que ça se fait de façon détachée, Parce qu'il y a une vision. Ouais. Il a une vision, il a des idées, il a... moi, je dis que c'est de l'obsession. C'est comme un auteur. L'auteur est obsessionnel sur une thématique qui va revenir dans ses œuvres. Même s'il change de thème, à l'intérieur, on va voir que dans les sous-thèmes, ce thème va revenir. Donc, c'est une obsession. Et le metteur en scène, il est le fil rouge et qui va... en tout cas, imperceptiblement, et orchestrer tout ça. D'accord. Voilà, sa place est transversale. Okay. C'était juste pour prendre un exemple concret, tu vois, pour que les téléspectateurs suivent. C'est mettre en scène, ça parle d'un désir, un désir de dire quelque chose. Par exemple, je vais parler du terrorisme, voilà, la question du terrorisme, et je voudrais réunir mes concitoyens et concitoyennes autour de cette problématique-là. Mm-hmm. Et après, ce désir, je le nourris au fur et à mesure en m'intéressant à la question, en rencontrant des gens, en lisant des livres, etc. Et puis, pour trouver un texte où m'adresser, ou adresser une commande à un auteur, par exemple. Je dis, bon, voilà, je voudrais que tu m'écrives un texte, voilà, je précise, je veux que ce soit deux ou trois personnages, ou c'est ouvert, enfin, je lui passe commande. Et une fois que j'ai ce texte, ben, je lis pour voir déjà si ça me parle, si ça me rencontre, si... et maintenant, si je choisis de monter le texte, la question qui vient, c'est avec qui? Avec qui? Quelles ressources humaines, c'est-à-dire quel acteur, quelle actrice, quel scénographe, quel costumier, enfin tous les métiers qui gravitent autour, et avec qui, comme moyen, quelle structure, quel producteur, parce qu'il faut aussi, je ne suis pas obligé d'être producteur quand je suis metteur en scène. D'accord. Et le producteur, son rôle, c'est quoi au théâtre? Ben c'est mettre la main à la poche. D'accord. C'est celui qui met l'argent au service de l'œuvre. Donc, et à partir de ce moment, je vais en recherche et j'essaie de réunir tous ces gens et j'essaie de les fédérer à mon projet, à mon idée de départ, d'accord, mon désir d'accompagner ce désir-là et faire en sorte que ça devienne aussi leur désir à eux. Parce que sinon, autrement, y a quelque chose qui ne va pas prendre. Quoi. D'accord. Donc, et puis, on se réunit et on commence à travailler, à définir les horaires de répétition, à échanger autour, comme elle l'a dit, du texte, de la scénographie, de la lumière. Et puis, on tâtonne jusqu'à ce que quelque chose advienne.
Et on se dit, bon, on n'est jamais prêt. Hein. Je pense que s'il y a un métier où on n'est éternellement pas prêt, c'est pourquoi même quand on joue, c'est pour que voilà, l'œuvre advienne avec, avec le temps. Donc, et puis, voilà, on se met à répéter. Et puis, à un moment donné, il faut bien ouvrir au public parce que cette œuvre-là trouve son accomplissement avec le public. Mm-hmm. Et, voilà, donc, c'était juste pour prendre cet exemple concret, là, pour que ce soit... Justement, à partir de cet exemple concret, moi, je me tourne vers Safoura. Safourata. Je l'avais oublié. pour savoir, donc, une chose est d'être dans la peau d'un comédien que l'on approche et qu'on demande d'incarner un rôle. Une autre chose est, je suppose, hein, de participer à la construction de toute une pièce de théâtre. Donc, comment ça se passe quand on est dans la peau du comédien ? Entre construire... entre co-construire et incarner, qu'est-ce qui est le plus facile? Wow. C'est assez complexe, hein, parce que les deux ne sont pas évidents. Co-construire, c'est quelque chose d'assez beau pour moi. On a eu un exemple avec Odile, quelque chose qu'on a expérimenté il n'y a pas si longtemps, avec des poèmes d'Aimé Césaire, et Issou faisait partie du projet. Je trouvais ça beau, dans le sens où bon, on avait déjà les matériaux, mais tout le processus, on a travaillé ensemble, on a cherché, on est allé voir des vidéos, on est allé voir des interviews, on s'est questionné, on est allé voir, aller lire d'autres auteurs. J'ai trouvé ça intéressant dans le sens où ça te nourrit, ça nourrit ton intellect. Et puis bon, c'est un travail de table la plupart du temps, tu vois. Et quand tu dois interpréter, arriver à interpréter, c'est intéressant aussi, même si ce n'est pas facile, parce que bon, l'acteur doit être au service de quelque chose. Donc, quand tu arrives et que le texte est déjà là, tu n'as pas participé à l'écriture du texte, il faut que tu as besoin de temps pour comprendre ce dont ça parle, ce que l'auteur a envie de dire, là où le metteur en scène a envie d'aller, là où toi, en tant qu'acteur, tu peux aller puiser, quelles ressources tu peux aller chercher pour nourrir ce texte-là, pour bien le donner. Et donc, je trouve que les deux sont intéressants. D'accord. Les deux sont intéressants. Mais pour moi, le plus important, c'est qu'on ait les moyens, si on a les moyens, parce que comme on l'a dit, hein, des fois aussi, les productions nous bloquent un peu. Donc, ça fait que généralement, les metteurs en scène n'ont pas le temps d'associer les acteurs au processus à l'amont, c'est-à-dire que la réflexion sur les costumes, la réflexion sur le texte, la réflexion sur la scénographie et tout ça, on n'a pas tout le temps le temps de faire un travail de texte, un travail en amont. Donc généralement, pour des questions de production, on arrive comme ça et tac, on y va. Et ça, ce n'est pas tout le temps évident pour l'acteur. Ce n'est pas tout le temps évident pour l'acteur. Donc le mieux pour l'acteur, c'est s'il a les moyens, les capacités de faire tout ça. Ouais. C'est la troupe. C'est la troupe, quoi. C'est une question de famille. D'accord. Ouais. Parce que c'est vrai que, j'ai envie de dire, dans le théâtre, on n'avance pas en rang dispersé. C'est pas possible. Il faut y aller ensemble. Ça ne marche Sinon, pas. Sinon, ça ne marchera pas. D'accord. Ça ne marche pas. Je voulais juste rebondir. Non seulement c'est pas bon pour l'acteur, mais c'est pas bon pour le théâtre. D'accord. Ça tue le théâtre. Tout à fait. Okay. Et parce qu'on n'arrive jamais à aller jusqu'au bout de nos idées. C'est ça. Et on donne des représentations, hein, mais même, Aristide le disait tantôt, la pièce n'est jamais prête. D'accord. Elle se fait avec le public. Mais combien de représentations pouvons-nous faire avec une pièce pour lui donner la chance de vivre et de grandir? C'est ça. Donc, ce qui fait qu'on est quand même souvent frustrés parce que nous savons que la pièce n'est pas aboutie. Mais le temps et les moyens, les dispositifs... Il faut forcément faire avec. Voilà, il faut faire avec. Oui. Voilà. Et pour rebondir, tu vois, même pour un acteur, ce n'est pas évident. C'est toujours aussi des frustrations parce que le personnage, il prend du temps avant de se poser dans ton corps. Le personnage, c'est celui qui a besoin de temps pour exister, pour naître. Okay. Et là, tu te retrouves dans un processus où tu n'as que 2 mois. Bon, c'est comme Aristide l'a dit tantôt, c'est une question d'imaginaire aussi. C'est pour ça que parfois, certains metteurs en scène vont chercher des comédiens qui ont déjà un background assez solide
pour... facilement, ils entrent dans les rôles. Mais on pense que c'est facile, mais c'est jamais facile, parce que l'acteur a besoin de temps, le personnage a besoin de temps pour respirer. Pour exister chez l'acteur. Mais ici, moi, je le dis en tant que comédienne, la plupart du temps, on est frustré parce que le temps, c'est de l'argent. Et puis, comme on n'a pas l'argent, le moment où tu es en train de saisir un personnage, le moment où tu es en train de l'attraper, c'est fini. Voilà. Ouais. Tu te dis, mais merde. Ben, tu lui dirais de ne pas mettre du temps avant d'arriver parce que... Qu'il vienne plus vite. Il ne vient pas tout le temps plus vite. C'est... Bah, du coup, c'est vrai que là, on me dit, le temps, c'est de l'argent. Et naturellement, plus on prend temps, plus ça va coûter la création. Mais on a souvent l'impression que c'est peut-être la scénographie qui est le plus budgétivore dans la création d'une pièce. Est-ce que c'est vrai? Je ne dirais pas non. La plupart du temps, on appelle même les scénographes à la dernière minute. Okay. Parce qu'il n'y a pas ce qui va avec. Donc, souvent... Non, mais en fait, il faut le dire, parce qu'il a fait un petit geste comme ça. Il n'y a pas les moyens, parce que aussi, souvent, on t'appelle sur une création, c'est-à-dire l'équipe a déjà avancé un peu, on t'appelle, tu viens prendre le bateau au milieu, on te dit, voilà, notre spectacle, c'est ci, on n'a pas assez de sous, voilà, on veut un truc un peu dans... Donc, souvent, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais la plupart, il y a de plus en plus, on nous appelle maintenant au début des créations, où et aussi on nous dit dès le début, voilà, vous avez tant, vous avez tant, vous avez tant. Pourquoi aussi on arrive à tout mettre dans le même panier. Et pour mon constat, les quelques fois qu'on nous a appelé très tôt pour travailler vraiment, je pense que ça a été d'un apport pour les créations sur lesquelles on a travaillé. Parce que plus on nous appelle tôt, plus on arrive à livrer les décors pour que les gens comprennent les décors rapidement. Les comédiens arrivent à s'imprégner de ça. Avec le metteur en scène, on peut essayer les lumières et tout ça. Ça fait que plus on nous appelle tôt, et s'il y a beaucoup de moyens aussi, ça arrange les choses. En fait, j'aime bien comment il parle de moyens. En fait, c'est dans un petit coin tranquille, très subtil. L'affaire est descendue. Oui, oui, très subtil. Mais aussi, là... L'un des problèmes qu'on rencontre souvent aussi avec les comédiens, c'est parce qu'on n'arrive pas à envoyer les décors tôt. On tâtonne assez souvent pour envoyer. On envoie un petit truc aujourd'hui, on envoie un autre accessoire. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas tout pour lui aussi vraiment pour être dedans. Donc, ça fait que souvent aussi, c'est bien compliqué pour nous, étant scénographes, mais je pense que c'est encore plus difficile pour le comédien qui travaille. En fait, tout c'est lié au contexte et tout c'est lié à une incompréhension. En fait, le théâtre est vu comme du luxe dans nos sociétés. Pas que le théâtre, l'art de façon générale, le cinéma. Or, c'est vraiment pour moi le fondement d'une société. C'est parce que c'est par le truchement de César qu'il s'ancre au monde, qu'il se présente au monde et qu'il exige respect et sa participation au monde. Donc, il est important que les décideurs comprennent que les arts, le théâtre, le cinéma, la musique, la danse sont aussi importants que le riz et le maïs, voire plus importants, parce qu'on ne peut pas résumer un peuple à ses besoins les plus élémentaires, ce qui fait que nous sommes au monde et que nous tenons, c'est ce qui nous habite. C'est la poésie, c'est le théâtre, c'est la musique, c'est ce que nous ont légué nos ancêtres, c'est avec ça qu'on tient. Une fois que tu as fini de manger, tu cherches à rêver, à t'échapper justement de ce corps-là qui est à un moment donné un fardeau, parce que voilà, et c'est la poésie qui te permet de tenir. Donc il est important de prendre soin de ces différents espaces-là, de prendre soin de ces artistes et ne pas les voir comme des amuseurs publics ou des gens qui arrivent à la fin mise en place terminale de la population. les artistes, il faut vraiment en prendre soin parce que c'est eux qui donnent le pouls et qui maintiennent, qui prennent soin de la vie d'une nation. On ne le voit pas. Ça me fait sourire parce que ça me fait penser à une réplique dans une pièce de théâtre. Je ne sais pas si je me rappelle du titre « Une nuit à la présidence » où il y a l'orchestre qui finit de jouer, on demande leur cachet
Et la personne qui est chargée de payer le président, je pense, je ne me rappelle plus bien, on lui dit « Oui, mais les artistes n'ont pas été payés. » Quels artistes ? Mais ceux qui ont joué. Toi-même, tu as dit jouer. Je ne peux pas payer des gens pour jouer. Donc, c'est vrai que ça fait qu'on a un regard, pas forcément, on ne le met pas forcément à sa bonne place. Mais une chose est de, on va dire, vraiment faire venir à la vie une pièce de théâtre comme ça, avec tout le monde impliqué, avec une idée, un sujet, un thème. Mais il y a également des modèles de pièces qui existent déjà. Quand on parle, vous avez cité quelques auteurs hein, qui ont déjà écrit, Aristide a écrit. Supposons qu'on décide maintenant de présenter sur scène une pièce qui est déjà écrite, qui existe déjà. Donc on suppose que les rôles sont déjà partagés et que chacun sait à peu près ce qu'il peut faire. Mais une chose est d'être l'auteur qui écrit, d'imaginer les choses, de le coucher sur papier. Une autre chose est de donner vie à ce texte-là sur une scène. En ce moment, comment chacun entre dans son rôle? Comment le metteur en scène s'arrange pour que ça colle avec ce que l'auteur a voulu écrire? Comment le scénographe s'arrange pour faire exister ce qui a été imaginé? Comment le comédien entre dans le personnage qui a été dessiné comme ça? Et est-ce que le comédien peut vraiment arriver à le rendre comme ça? Comment chacun entre dans son rôle quand ça a déjà été décidé à l'avance? Le texte, c'est ça? Oui, quand le texte existe, quand c'est là. Supposons qu'on veuille jouer les bouts de bois de Dieu, par exemple, qui existent déjà. On va dire, tous ceux qui l'ont lu savent à peu près comment ça se passe. Chacun a imaginé à sa manière. Donc, on se dit déjà qu'on sera peut-être en face d'un public qui s'est fait un film de l'œuvre. Comment on entre dans son rôle en tant que metteur en scène, en tant que comédien, en tant que scénographe? Comment ça se passe, metteur en scène? C'est là où ça devient intéressant. D'accord. Le théâtre est intéressant quand c'est comme ça. OK. Parce que ce ne sont pas, je dis toujours aux comédiens, aux jeunes comédiens que j'ai la chance de former de temps en temps, je dis ce ne sont pas les mots qu'on joue. D'accord. C'est pas les mots qui sont écrits de l'auteur qu'on joue. C'est ce qui n'est pas dit. C'est spirituel, c'est philosophique, c'est une autre sphère. Et donc, il faut aller chercher ça. D'où le travail de table. D'où le travail de réappropriation de l'œuvre de l'auteur. D'accord. D'où l'idée de l'auteur, sa vision. Qu'est-ce qu'il veut raconter? D'accord. Qu'est-ce que le metteur en scène veut raconter avec ce texte? Pourquoi on peut prendre encore des textes qui datent d'un siècle, du 5e siècle avant Jésus-Christ, les Euripides, Sénèque, etc., tous ces auteurs classiques, si on remonte là, alors que ça, c'est antidaté? On se dirait que ça ne nous parle plus. Ouais, alors, mais sauf que le théâtre est un art universel. C'est ça. Les auteurs vont toujours écrire la même chose. Pourquoi? Parce qu'on va parler du rapport au pouvoir, okay. du rapport aux droits des êtres que nous sommes, du rapport à l'homme et à la femme, etc., et la place de la femme, etc. Donc tous ces sujets-là, depuis la nuit des temps, depuis l'existence des êtres humains que nous sommes, ces sujets-là vont revenir. C'est un perpétuel recommencement, exactement. Recommencement, je ne dirais pas recommencement, mais c'est la vie. D'accord. C'est une quête. C'est comme dans nos légendes, nos grands textes africains. C'est des récits initiatiques, c'est des quêtes. D'accord. Et sans fin. C'est des questions d'ordre existentiel. Donc, en ce moment, il y a tout un travail à faire pour dépasser l'écriture. D'accord. Pour dépasser l'auteur. Si on ne dépasse pas l'auteur, on ne peut pas créer. Et donc, tout le travail, il est là. Donc, c'est vaste, hein? C'est vaste. Et Aristide, il a pris un exemple, un prototype de création tout à l'heure. Et donc, pour rebondir dans ce sens-là, si moi, on a pris Césaire, on a les poèmes de Césaire, par exemple. Césaire, il est aujourd'hui, il a parlé d'une thématique, de la négritude, et ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, nous, c'était la révolte de Césaire. D'accord. C'était la poésie qu'il a portée, parce que tout son combat, il a fait avec les armes de la poésie. Son combat politique était
fait avec la poésie, avec la langue, sa langue, son écriture. Et donc, sa révolte nous intéressait, la dimension poétique nous intéressait. Donc, voilà les éléments que nous avons pris et nous avons essayé maintenant de l'interpréter. Et comment faire ressortir la dimension poétique de son œuvre, comment porter la rage de Césaire sur le plateau. Donc, c'est difficile, hein, le théâtre, c'est difficile, mais c'est en même temps très intéressant. D'accord. Parce qu'on n'est pas là pour dire des mots, pour dire des phrases, des répliques sur un plateau. Non, ce ne sont pas des répliques qu'on dit. Et on dépasse les répliques, on dépasse l'auteur, on dépasse l'écriture et on va à une autre sphère qui pour moi est de l'ordre de la spiritualité. D'accord. Qui n'est pas de l'ordre de la religion. La spiritualité, ça, c'est tout. On est d'accord que voilà. C'est différent. C'est ça. C'est tout le processus intérieur qui n'est pas dit, qui n'est pas visible, mais qui respire, qui peut respirer sur un plateau, qui peut parvenir à l'auditoire, au spectateur, et la catharsis peut se faire en ce moment. Bah, là, en ce moment, j'ai peur de dire, est-ce que vous n'avez pas perdu une partie de nos téléspectateurs avec avec ce développement? Comment on porte la rage de Césaire sur scène? Comment on porte la rage de Césaire sur scène? C'est comment on porte d'abord sa propre rage. D'accord. En tant qu'être humain, en tant que femme, en tant que citoyen, parce que, comme elle le dit, Césaire, la rage de Césaire est toujours d'actualité. Césaire parle de l'humanité, Césaire parle des conflits humanitaires, Césaire parle de l'amour, Césaire parle du manque de l'amour, Césaire parle de tout ce qui nous touche aujourd'hui, en tant qu'être humain. Et comment on l'amène sur le plateau? Mais il faut surtout le prendre avec une distance, parce que la langue de Césaire est quand même pas simple dans l'écriture, dans les mots. Et Césaire, c'est pas un auteur que tu prends et puis tu te dis waouh, je vais le dépasser. C'est un auteur que tu ne peux pas dépasser. La meilleure façon de porter la rage de Césaire sur le plateau, c'est en étant au plus près de soi-même. D'accord. Parce que c'est un auteur qui parle de nous, qui te questionne, qui t'interpelle. Donc, si tu veux le dépasser, si tu veux porter sa rage en n'étant que dans les mots et tout ça, tu ne t'en sors pas. C'est comment tu restes auprès de soi-même, comment tu restes auprès de l'auteur. C'est ça. Et comment tu te questionnes aussi en tant qu'être humain. Et en termes de questionnement, franchement, moi, ça m'inspire une question. Mais on va avoir un élément avant de revenir. Parce que c'est vrai qu'on parle aujourd'hui, on a cité des auteurs... Il y a des références et on a quand même l'impression, même si vous le dites, que le théâtre, ce n'est pas réservé à une élite, que ce n'est pas à la portée de la compréhension de tout le monde. On a souvent l'impression. Donc, est-ce que finalement, tout le monde peut venir voir une pièce de théâtre comme celle qu'elles décrivent toutes les deux et se dire, je veux comprendre ce qui va se passer? Mais avant de répondre à cette question, on a quand même demandé à nos téléspectateurs, est-ce qu'ils sont des consommateurs de théâtre? C'est vrai que les salles de spectacle recommencent à avoir du monde, mais quand même, on a posé la question, est-ce qu'ils sont consommateurs de théâtre? Et est-ce qu'ils pensent que l'on peut vivre du théâtre en étant sous nos cieux? Leurs éléments de réponse. Souvent, ils regardent les Babanga, c'est vraiment propre. C'était à la télé, mais je ne me rappelle pas le jour. Comme il n'y a pas l'argent même pour aller payer l'entrée et les gens ont faim là, si à la télé, je regarde ça. Sinon, j'assiste ça occasionnellement en live, mais à la télé, souvent aussi, je tombe sur ça et puis je suis bon. Au moins deux fois. Franchement, dit ça date. On parle vers les 2002-2004. Moi, particulièrement, j'ai participé à un théâtre pendant que j'étais enfant. Vous voyez, oui, du temps maintenant, la jeunesse ne s'intéresse plus au théâtre et ça fait vieux que j'ai participé à un théâtre. Oui, si, on peut vivre du théâtre. Ça peut nourrir son âme si on arrive à tourner les gens vers le théâtre. Franchement, dit au Burkina, ici, pour vivre pour le théâtre, moi, je peux dire c'est compliqué. C'est du moment que la jeunesse ne regarde pas l'État, ne participe pas trop à ça, je ne vois pas le revenu, comment il peut s'en sortir, quoi. Il y a des gens qui peuvent vivre de ça, il y a des gens aussi qui ne peuvent pas vivre de ça. Comme Babanga, c'est notre vieux père, c'est notre papa, grand-père même. Lui, il a réussi dans ça. Et mon homo Amer, fils de l'homme,
et les pagnards et tous, voilà, c'est bon. Mais les jeunes qui ont commencé, ça l'a bon. Et il y a au moins deux personnes, qui, et moi-même je connais, mais ça va pas. Hein. Bon, ben voilà, je n'ai pas voulu emmener la supposition sur le plateau. Vous l'avez entendu de vous-même. Mais avant, chers téléspectateurs, je vous ai dit, aujourd'hui, j'ai plein de surprises pour vous. Et ça, en fait, c'est une surprise pour moi aussi. Donc, j'ai le plaisir d'avoir pour vous. Et ben, c'est là qui a guidé, mais pas hein, sur, devant les caméras de BF1. Voilà. Trop gentil. Bienvenue trop gentil. À la maison, Brice. Oui, merci. Comment ça va? Bien. Ça bonjour. Fait énormément plaisir de t'avoir. Moi aussi, ça me fait plaisir d'être là. Je me suis dit, waouh, je réalise un rêve là, en ce moment. Je suis là sur le plateau avec tous ces invités. Alors, avec Stéphanie. Est-ce que tu connais tout le monde? Je refais les présentations. Non, je ne connais pas tout le monde, malheureusement. Alors, juste à côté de toi, Odile Sankara. Bonjour madame, content de vous connaître. Comédienne, actrice, metteur oui, en scène. Que je connais, oui. D'accord. En face d'elle, Aristide Tarnagda, auteur comédien, metteur en scène, directeur des Récréatrales. Que je connais aussi. Juste à côté, Safoura Kabore, actrice comédienne. Je continue, je dis que je connais aussi. Hein oh, le Safoura Ta, c'est vrai. Aujourd'hui, on met un point d'honneur à ajouter le Ta à la fin. Voilà. Et juste à côté, Issoufia Bibou, qui est scénographe. Que je connais aussi. Bah, finalement, tu connais tout le monde. C'est bon, toi moi, que je connais pas. Alors, moi, je suis... Stéphanie Zongo. Ah, tu connais finalement. J'ai entendu parler, on m'a briefé. Avant de monter sur le plateau, on m'a dit, va, tu dis que tu connais l'animatrice, ça s'appelle Stéphanie Zongo et tout ça, donc je la connais. Bonjour tout le monde, bonjour. Merci, bonjour. Merci d'être avec nous. Bah, du coup, bah, je vais te poser la question qu'on a posée aux téléspectateurs. Est-ce que tu es consommateur de théâtre? Oui. Beaucoup. Oui, on est un peu sorti de cette école du théâtre là, parce qu'à l'époque, il y avait des programmes de théâtre à la télévision. Donc, on a commencé à avoir des jeux d'acteurs. Et puis, plus jeune déjà, au niveau des établissements, on nous avait formés à participer à des troupes de théâtre. Donc, je crois que ça a commencé là. D'accord. Et après, je suis parti aussitôt plusieurs fois. J'aime tes secrets même sur le directeur général. Aussitôt. Tu nous refais ? Bien sûr. Non, ça va. Hey ! Il m'a briefé, il m'a dit d'y passer sur le plateau. Et est-ce que tu penses qu'on peut vivre du théâtre sous nos cieux? Oui. Pourquoi tu as longtemps hésité? Non, parce qu'il y a quatre personnes en face de moi. Si je dis non, elle m'a dit, mais tu penses qu'on vit comme un loup? Non, oui, sous nos cieux, d'autant plus qu'aujourd'hui, je pense que le fait de pratiquer ce métier ici, qu'on le fait bien d'ailleurs, ça permet qu'on s'exporte. Donc ici, ça peut être un peu chaud, mais après, on a le temps d'organiser des tournées et tout ça. Donc, comme tous les arts, on peut en vivre quand on est très sérieux, quand on a les contacts qu'il faut, quand on est très passionné surtout. Et je crois que c'est ça. La réponse est oui, on peut. En tout cas, il a dit au début, c'est chaud. Et on a clairement entendu quelqu'un qui a dit, ah, moi, je connais deux personnes, mais c'est bizarre. Savoir les deux personnes chez qui, je ne sais pas. Toujours est-il que. Donc... Mais je pense que c'est vraiment pas un cas isolé à des personnes qu'ils pensent. Mmh. Et du coup, ils se posent forcément la question. Comment vous vivez? Est-ce que c'est juste les quelques personnes qui viennent pendant un mois suivre une pièce de théâtre qui vous fait vivre? Comment ça se passe? Si en plus, vous nous dites que ça coûte de l'argent de créer une pièce de théâtre, comment on se rémunère derrière? Comment on s'arrange pour que la marmite continue de bouillir, comme on le dit? Enfin, chacun comme il peut, mais je pense en effet, le théâtre, contrairement au cinéma, c'est pas un métier qui est fait pour apporter de l'argent. Le cinéma, c'est une industrie, enfin, on peut dire que c'est un produit commercial, enfin, là encore, ça dépend de quel cinéma. Type de cinéma. Voilà. Mais le théâtre, en tout cas, il n'a pas pour vocation, on ne fait pas de commerce. Et donc, c'est vraiment pas évident. Et il ne bénéficie pas d'accompagnement conséquent. Mais je pense que, au-delà de la question de l'argent, parce que c'est un piège, c'est une question qui nous enferme dans quelque chose d'un peu étrange, mm-hmm. Comme tout en ce moment. C'est quoi vivre? C'est quand on a dit c'est quoi me faire vivre. Donc pour répondre, si c'est pour que je... Enfin, en tout cas, c'est difficile de devenir milliardaire au théâtre, c'est difficile d'être richissime. Voilà, déjà, on va dire que dans un premier temps, on ne vient pas au théâtre pour s'enrichir. C'est très... C'est, non. Enfin, on vient pour...
pour s'enrichir, on va dire, pécuniairement. Voilà, on ne vient pas pour cela. Enrichir son être, ouais. Enrichir les autres, ouais. Poser des questions, participer à la construction de l'humanité. Mais on a besoin aussi, et c'est là où il y a la contradiction, le paradoxe, c'est-à-dire que les acteurs, ça reste avant tout des chairs et du sang. C'est-à-dire on doit manger, on doit nourrir, on doit payer des loyers, etc. Et que c'est peut-être une certaine organisation ou désorganisation, puisqu'il n'y en a pas, qui fait qu'on n'arrive pas pour l'instant à s'en sortir. Mais que c'est comme, je dis, tous les menuisiers ne s'en sortent pas. Non, parce que c'est un métier, ouais, pour moi, sûr. Avant tout, c'est ça. C'est tous les fonctionnaires ne s'en sortent pas, ouais. Tous les... je ne sais pas, c'est compliqué c'est de se dire, il y a des gens qui s'en sortent très bien. Il a cité Babouanga, je citerai Zou Nazaranda, enfin, même si c'est de la musique, mais c'est pour parler des artistes, ouais. En général. Flobby et X, c'est pas la c'est même sûr. Chose. Et c'est lié à plusieurs facteurs. Ils n'ont pas envie de vous citer, mais j'ai envie de vous citer aussi. Voilà, mais c'est pas que le talent, enfin, moi, j'ai besoin d'aide. Hein. Donc, si tu me cites, c'est comme si... Voilà. C'est beaucoup de paramètres. C'est pas que le, oui. Talent. Il y a des gens qui sont extrêmement talentueux, mais malheureusement, qui ne s'en sortent pas. Il y a des gens qui sont moins talentueux, qui s'en sortent. Mais va savoir. Mais en tout cas, c'est un métier qui exige qu'on sache que c'est pas là qu'on deviendra extrêmement riche, voilà, en parlant d'argent. Mais que si le secteur est mieux organisé, si il y a une politique culturelle conséquente, ben, les gens peuvent arriver à vivre décemment. C'est de ça que je vais parler. Voilà, il faut que les acteurs puissent vivre décemment. D'accord. Être riche, c'est autre chose. Voilà. Je ne sais pas, Brice, si tu t'es rendu compte de comment ils parlent tous, en fait. T'as des tournures de phrases, t'as de la rhétorique. Et ça me ramène en fait à la question que j'ai voulu poser avant qu'on aille. Est-ce que tout le monde peut se lever et aller, après vous avoir entendu, dans une salle pour voir une pièce de théâtre en se disant « Moi, je vais comprendre ce qu'ils font. Ils sont là pour parler de la rage d'Aimé Césaire, de sa lutte qu'il a portée, de cette condition humaine et tout ça. » Enfin, pour une personne peut-être qui se dit « Bon, moi, j'ai arrêté l'école en troisième, quoi. Est-ce que je vais comprendre ce qu'ils se disent ?» Donc, finalement, on ramène cette question. Est-ce que c'est à la portée de tous, le théâtre ? Je répondrai, mais voilà. Oui. Je diversifie. Non, je veux dire... D'accord. Honneur au... Voilà. Moi déjà, je peux dire oui, c'est à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a un moment où, oui, quand je n'avais pas assez d'espace pour les représentations théâtrales, et que ça s'est passé à l'Institut français... Quand il disait à quelqu'un de une voix du théâtre, il pensait que, tu vois, non, il faut avoir de l'argent pour arriver là-bas. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, il y a un d'ailleurs qui l'a dit, on n'a pas d'argent, on a faim, on ne peut pas. Mais aujourd'hui, on a des moyens, et on a des équipements qu'on a conçus qui nous permettent d'envoyer les spectacles dans des familles, dans des espaces publics. Et la plupart du temps, quand les gens arrivent, quand ils suivent le spectacle, ils disent « Ah, eux, ils ne savaient pas que c'était comme ça, qu'ils pouvaient comprendre, voilà. » Souvent aussi, le public aussi est ciblé. D'accord. Voilà, souvent aussi il est ciblé. Oui. Alors, il y a des pièces aussi, vraiment, si ça vient, par exemple, dans nos quartiers où on veut faire, ça risque de ne pas passer. Ils vont finir et dire, j'ai rien compris. Hein? À la fin de la pièce, il y en a qui vont sortir et me dire, tu as compris ce qu'ils ont dit. Il y a des pièces aussi qui sont souvent, je vais dire, par rapport à l'écriture, c'est un peu, pour quelqu'un qui n'est pas là à l'école, ça peut être un peu. Mais toujours est-il que tu en sors toujours avec quelque chose. D'accord. Parce que les comédiens vont laisser les émotions et tout ça, tu comprendras quelque chose. D'accord. Mais dis, venir regarder et ne rien comprendre là, moins que toi, mais tu ne mets pas du tien. Ouais. D'accord. Sinon, quand t'arrives, tu arrives, non, il y a toujours... On repart toujours avec quelque chose. D'accord. Ce qu'il dit... Non, ce qu'il dit n'est pas faux. Mais bon, c'est vrai que parfois, par rapport à certains textes, ce n'est pas évident, par rapport au niveau de la langue. De la langue, oui. Mais je pense que tout dépend de la création. Tout dépend de ce que le créateur en a fait. Par exemple, nous, quand on a travaillé sur les poèmes d'Aimé Césaire, on savait que ça n'allait pas être évident, parce que la langue de Césaire n'est pas évidente. Alors nous, dans notre contexte, dans notre milieu, dans notre espace, qu'est-ce qu'on fait de ces matériaux-là? Quelle esthétique on envoie? Comment on le met sur scène? Comment on le porte? Comment on le joue? Qu'est-ce qu'on convoque? Qu'est-ce qu'on convoque pour que ça puisse être accessible à celui qui est en face?
Tu vois, c'est, moi, je peux prendre, tu peux prendre un Shakespeare et le jouer au grand marché. Et ça passera. Et ça passera. Tout dépend de ce que le créateur, le metteur en scène va en faire. Tout dépend de ce qu'on va, de ce qu'on va mettre. D'accord. Mais je pense que c'est difficile sortir d'une pièce de théâtre et dire j'ai rien reçu. C'est généralement rare. D'accord. C'est rare parce qu'il y a tout un ensemble. Okay. Il y a de l'émotion, il y a de l'esthétique, il y a de la lumière, il y a de la scénographie. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent ça. On peut n'avoir pas compris tout le texte, mais oui, on ressort avec quelque chose. Toujours est-il que ça nous laisse jamais indifférents. D'accord. Ouais. Ok. Parce que je vais ajouter quelque chose. Quand on crée aussi, on se pose des questions pour qui on crée. Ouais. Comment on va créer, comment on apporte ça au public aussi. Ouais. Donc déjà, le public est plus ou moins, voilà, déjà on sait où on doit envoyer le propos. Et d'accord. Puis, voilà. Moi, j'ai toujours un avis complètement pas d'accord. parce que quand on parle de ces élitistes, on se situe dans le domaine de l'intellect. Ouais. C'est-à-dire sur le plan intellectuel, ou là, je ne suis pas allé loin à l'école. À l'école, je ne vais pas comprendre. Non, alors que le théâtre, par définition, c'est l'endroit de l'émotionnel. D'accord. Donc, c'est d'abord, ça traverse les pores, ça va dans le cœur, et après, ça va remonter dans l'esprit. D'accord. Donc, dans ce sens, et on aime dire qu'il n'y a pas un seul public qui est idiot. OK. Dans une salle de spectacle, il y a... Toutes les couches de la société, de la population peut être là. Ok. Mais chacun va rentrer dans le spectacle à sa manière. Oui. Voilà. Et donc c'est pas seulement la dimension intellectuelle qu'il faut mettre en avant. Ça, je pense que c'est du domaine du critique. Les critiques qui sont dans la salle vont regarder le spectacle autrement. Voilà. Le citoyen lambda qui est dans la salle va regarder autrement. Mmh. Parce qu'effectivement, comme il dit, il y a des comédiens, comédiennes qui vont incarner des personnages à leur façon, mmh, qui vont le restituer à leur façon. Et donc, c'est tout ça qui nous traverse. Mmh. Donc, l'œuvre théâtrale traverse tout le monde. D'accord. Forcément. J'ai quand même envie d'envoyer la même question à Brice. Par rapport au fait, qu'est-ce qu'il n'y a pas des pièces que tout le monde ne peut pas forcément appréhender et recevoir? Je crois qu'un de tes invités l'a dit, hein, c'est de l'art à la base. Donc il y a un mot qu'on associe à l'art, c'est l'adaptation. Donc vous créez pour qui, pourquoi, vous adaptez votre pièce. Nous, avant, on partait au théâtre parce qu'on a envie de rigoler. On disait c'était les trucs qui faisaient rigoler, puis après ça a évolué. C'est un peu comme en littérature, il y a des genres. Donc vous n'allez pas voir n'importe quelle pièce. Le théâtre, déjà, à la base, c'est un genre littéraire. Oui. Oui. Certains théâtres. D'accord. Okay. Donc je vais dire dans les catégories. Voilà. Je vous ai dit les catégories. Oui. Donc vous allez. Mais Madame l'a dit, hein, vous partez au théâtre, il y a forcément quelque chose qui vous captive. Ouais. Le jeu d'un acteur, la lumière, la musique, la gestuelle, rien que ça. Souvent, c'est comme la musique, souvent vous ne comprenez pas les paroles, mais vous êtes captivé par la musique, vous êtes captivé par même la vidéo que vous allez voir. Donc ouais, c'est pareil, c'est de l'art. Et l'art, ça parle au... Ça rentre par les pores. Alors, je voulais dire... Mais pourquoi toutes ces questions, en oui, fait? Parce que ça part aussi d'un complexe au niveau des spectateurs, au niveau des artistes, des mm-hmm, fois, complexe d'infériorité, complexe de supériorité, où des gens pensent souvent que, voilà, c'est vraiment pas fait pour moi, parce que j'ai pas été loin à l'école, mais faut pas enfermer le théâtre, il n'est pas qu'en français. C'est vrai. C'est une langue, il est en moré, il est en djoula, il est en tout ce que vous voulez. Quand on dit théâtre, on dit une langue. Ouais. Et aussi, c'est parce que c'est aussi un métier qui convoque l'exigence. Je ne fais pas le théâtre pour que ce soit facile, pour que ce soit facile d'accès. C'est un effort de se lever, de se dire aujourd'hui, je ne vais pas au maquis, je vais aller au théâtre pour me nourrir en riant ou en pleurant, ou en apprenant un certain nombre de choses. Mmh. J'ai entendu un des spectateurs dire que les salles ne sont pas d'accès, le prix. Parce que oui, ils ont faim, ils n'ont pas l'argent. Pour moi, ce n'est pas vrai. Pour moi, c'est un faux débat, parce que je suis à Ouagadougou depuis un certain moment donné. Jamais les maquis ne désemplissent. Jamais. Et les gens peuvent arriver au maquis de 10h à 23h.
Et ça, ça boit, ça boit, ça boit, ça boit. Et une bière, c'est minimum 500, 600 en allant. L'entrée des théâtres, c'est combien? Par mois, si tu peux pas avoir 1000 francs pour aller au théâtre, c'est le plus cher des fois. Enfin, le citoyen, 1500. 1500 aussitôt maintenant. Voilà. Demande du public. À la demande du public. Mais c'est pour se nourrir, c'est pour grandir, c'est pour se distraire. Oui. Et c'est aussi une distraction qu'on boit de la bière comme, aller à un concert ou aller dans son grain, je veux dire. C'est tout aussi important. Donc, le théâtre est là pour nous servir et non nous desservir. Et à partir du moment où on comprend que c'est un besoin pour nous, et non pas pour les artistes, je ne vais pas au théâtre, même si je vais soutenir les artistes. Moi, je n'ai pas besoin de soutien. Non, c'est vrai. J'ai besoin que tu te que tu viennes pour la pièce, pour toi-même. Pour ta culture générale, ouais. Pour ta nourriture spirituelle. Oui. C'est ça. Ma générosité me suffit. Qu'est-ce qui caractérise un acteur, un artiste? C'est sa générosité. C'est pour ça que j'aimais les gens avant. Pourquoi les gens n'étaient pas payés pour faire leurs arts? Okay. Mais parce qu'ils considéraient, je pense, que c'est tellement noble qu'il n'y a pas un prix pour ça. Il n'y a pas de prix pour l'art. Ouais, comment tu peux payer mes nuits d'insomnie, mes nuits de machin? On ne peut pas quantifier ça. Enfin, on ne peut pas le monnayer. Ça ne peut pas devenir comme les cacahuètes qu'on achèterait. Ouais, voilà. Donc, pour moi, il y a ce complexe des gens, il y a cette paresse, mais il y a aussi le complexe souvent des artistes qui pensent que plus c'est compliqué, voilà, plus c'est beau. Plus c'est pas accessible, plus ça semble être fort. Plus c'est de l'art, on est à un autre Comment niveau. Comment trouver le juste milieu parce que c'est une conversation. Ouais. Ça. Quand vous regardez une pièce, vous échangez comme on échange là avec... C'est pareil même pour le divertissement, même pour la télé. On avait le même problème parce qu'avant, les gens avaient un certain respect pour des animateurs qui étaient grandiloquents, à la limite qui étaient pédants. Parce que voilà, on disait, oui, le gars, il est faux, il utilise les gros mots. Oui, bon. J'ai pas compris, il parle bien. Mais il est fort. Alors qu'aujourd'hui, vous avez des émissions avec Stéphanie, elle pose des questions simples, elle dit ce que le téléspectateur a envie d'entendre, et c'est pareil pour le théâtre. Donc, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est forcément bon. Merci beaucoup. Il a dit quelque chose que je trouve juste par rapport à la langue, parce que je crois que c'est important aussi. Hein. C'est un grand complexe qu'on a souvent de penser que... On oublie des fois qu'on n'est pas francophone de naissance. C'est ça. On oublie des fois notre public, et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux, parce qu'on peut créer en morée. On peut monter Shakespeare en morée, on peut monter Façon d'aimer en morée, on peut monter plein de textes dans nos langues. C'est des fois très... Parce que je partage cette expérience. Il y a un auteur togolais, mais qui vit en France, qui s'appelle Gustave Akakpo, qui a écrit À petite pierre. Il est parti, je ne sais pas si la mémoire... Enfin, au Nigeria, il y a une femme qui avait été condamnée par lapidation, ça remonte. Et lui, c'était sa façon de se révolter. Contre ça, il a écrit une pièce qui s'appelle La Petite Pierre. Mais moi, j'ai fait l'expérience de faire traduire. Parce que je ne veux pas non plus que ce soit perçu comme un métier. Une fois que ça devient en langue, il faut bâcler. Parce qu'on peut très bien écrire en morée. Il se trouve qu'il y a quelqu'un qui écrit très bien du théâtre en morée, qui est Sidi Kiyoubaré. Donc je lui ai demandé, est-ce que tu peux traduire À petite pierre en morée? Chose, il l'a fait, c'était vraiment formidable. Et quand on a joué au récréatral, mais ce qui me plaisait, c'était ces personnes, entre guillemets, petites gens, comme on dit. Qui sont pourtant nos mamans, nos papas, nos frères, Donc, qui sont venus voir, je ne sais pas, 4-5 fois toute la représentation. Ils se bousculaient. C'était pas gratuit, c'était payant. C'était payant. Ça veut dire aussi que cette question-là de comment on décolonise, pour parler comme nos amis, comment on décolonise nos écritures, en ne s'interdisant pas non plus d'écrire en français, quand on peut écrire en français, mais de se dire que c'est des choses qui sont possibles. Mais aussi... Comment on peut venir au théâtre? Parce que moi, j'ai des problèmes en français, donc je viens voir des pièces en français pour améliorer mon français. Voilà. Je ne peux pas dire non, ce n'est pas accessible, donc comme je ne comprends pas français, donc je n'y vais pas. Non, vas-y pour améliorer ton français. Voilà. On parle des récréatrales maintenant parce que ça s'approche et l'heure aussi avance, donc il ne faut pas oublier le sujet. Donc les récréatrales, cette année, c'est la 11e édition. D'accord.
c'est pour quand, comment ça se passe, où est-ce qu'on en est? Ah là, on n'est partout et nulle part. Bref, non, tu vois, ça me passionne. Bah oui, je sais. Alors, la plateforme festival, c'est du 24 octobre au 31 octobre cette D'accord. année. Tu reviendras à Brice? Oui, bien sûr. Non, mais finissez. Je reviendrai, je reprends la question. D'accord. Donc, 24 octobre, 31 octobre pour la plateforme festival, mais comme le disait tout à l'heure, c'est un long processus. Oui. Alors, on a commencé en février. À la quarantaine pour lancer le thème, pour donner le tempo, pour présenter les artistes qui vont être en résidence au quartier. Et puis, malheureusement, il y a eu la Covid-19 qui est arrivée et qui nous a fait subir pas mal de perturbations. On réfléchit, est-ce qu'il faut annuler, est-ce qu'il faut maintenir? En tout cas, on a annulé une étape qui est l'étape du côté court, une étape charnière, voilà, surtout pour les metteurs, les scénographes et les techniciens. Ouais. Et puis on s'est dit, non, il faut, face à des situations comme ça, les gens qui sont fondamentaux, c'est vraiment les artistes. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les artistes qui prennent soin de la vie, qui donnent goût à la vie, qui protègent la vie. Et donc face à une maladie comme celle-là, il faut au moins que on ne renonce pas. Parce que qu'est-ce que la maladie attaque? Cette maladie, ben, elle attaque le lien, le fait d'être ensemble. Exactement, c'est vrai. Donc comment résister à ça? On s'est dit qu'on allait essayer, en redimensionnant bien sûr la taille du festival, en nous conformant bien sûr aux exigences de sécurité sanitaire, etc., mais de maintenir. Et donc, les artistes commençaient à arriver. À partir du 14 septembre, on va entrer en résidence dans le cours familial. Et puis donc, le quartier Gounet, Bourg-Somtenga, va se prépare à accueillir cette beauté, tu vois, à laquelle sont habitués maintenant les Ouagalais. Mais est-ce que cette 11e édition sera à l'image de ce que l'on sait des récréatrales, justement, compte tenu de la situation actuelle? Toujours, toujours, il y aura la rue. Okay. Il y aura la rue, un des patrons de la rue qui est là avec vous. Donc, on va se dresser, c'est le thème de cette année. Exactement. Et ça tombe bien parce que ça veut dire se dresser au moment même où tout tombe sur nous. Voilà. Et donc, il y aura cette rue, il y aurait des pièces de théâtre dans des familles, il y aurait de la danse. Serge Mekoulbali va revenir avec sa dernière création qui fait fureur en ce moment à Bruxelles. Il joue au Théâtre National de Bruxelles en ce moment. Il revient avec Wakat et ça me plaît beaucoup parce que Wakat parle plutôt du terrorisme. Et pour moi, c'est plus important par rapport à ce qui concerne notre pays que la Covid-19. C'est une plaisanterie à côté du terrorisme. Donc, non, c'est vraiment important. Et Serge revient pour ça avec... Serge, c'est toujours grand, beau, des danseurs extraordinaires, une belle musique et des pièces de théâtre. Le quartier va vous émerveiller cette année parce que, justement, pour prouver que le théâtre n'est pas réservé qu'aux élites, on a travaillé avec... les habitants du quartier, oui, des jeunes, des femmes. Odile travaille depuis un certain moment donné avec des femmes. Bogobali Sanou, chorégraphe Bobolet, va venir travailler avec les habitants du quartier là, pour préparer le spectacle d'ouverture. Brice va nous dire pourquoi elle rit. À la fin. D'accord. Madame et moi, on a compris. Donc voilà, il y aura un plateau musical. Justement, on a réduit les plateaux musicaux parce que il y aura un plateau musical avec une programmation musicale allégée, on va dire, voilà, light. Mais toujours est-il qu'on peut danser quelque part. Nous, c'est 1 mètre, mais nous, on va exiger 3 mètres. D'accord. Pour être sûr de pouvoir bouger. Pour être sûr d'avoir les 1 mètre. Voilà. D'accord. Parce que si tu dis 1 mètre, les amoureux vont se coller et puis voilà. Donc, on dit 3 mètres au départ et puis après. Non, ça va justement, pour être sérieux, c'est là que nous devrions montrer la capacité des artistes à mettre leur génie en œuvre pour surpasser toutes les difficultés. D'accord. Voilà, okay. C'est ça qui est important. Et donc le rendez-vous est maintenu et les artistes, j'ai trouvé le mot, arrivent à partir du 14, le processus. Ah non, il y en a qui ont commencé. Il y en a qui sont déjà là. Arrivés. Ok, ouais, super. J'ai Togolais, Ivoiriens, enfin, il y en a qui sont déjà là. Ivoiriens.
Oui, voyez. Ils sont là. Non, on rigolait tout à l'heure parce que sur le plateau ici, on a retrouvé des vocations. Parce que, parce que quand il parle, on sent qu'il joue. Et puis, madame et moi, on a surpris le regard du scénographe. Pendant qu'il était sur le plateau, il regardait. Alors là, la lumière, je la mets là. Comme c'est à l'espace. Est-ce que je peux bouger un peu Pas du côté, parce qu'on regardait plutôt. Il regardait plutôt. C'est ça. D'accord, ok. Chacun porte son vie. Et du coup, moi, je vais te poser la question que tous les téléspectateurs ont envie de te poser. Ah, Brice est revenu? Oui, je suis là. C'est pas un hologramme, c'est comme toucher, ça va, je suis là. Donc, non, je suis là pour quelques jours. Et c'est la maison, c'est la famille. On ne pouvait pas ne pas passer. Donc, ouais. On s'est dit, on va passer faire un coucou. Franchement. Et on est très, très heureux d'être sur le plateau. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Je vais très, très bien. Très, très bien. On se voit. Non, non, mais en plus, je voulais profiter pour dire merci au théâtre, parce que nous sommes, j'ai envie de dire, des enfants du théâtre. Aujourd'hui, on fait de la télévision à cause du théâtre, parce qu'on a vu des gens sur scène, on a vu des gens qui communiquaient des émotions, qui parlaient aux gens, et même dans notre façon d'exprimer nos émotions, on emprunte ça aux gens du théâtre. Moi, en plus, je fais du stand-up, donc du coup, ça part du théâtre. On a rencontré des gens comme Jamel Debbouze et tout le monde qui nous ont inspirés, mais qui partent du théâtre. Donc moi, sur la scène, je fais du théâtre. Non, c'est vrai que stand-up de Brice, moi, la première fois que je lui dis, quand même, enfin, il y est, franchement, depuis le temps. Oui, directeur général. Il était temps. Oui, le directeur général Sarri me disait tout le temps, pourquoi tu ne vois pas? Je dis, non, en fait, tu sais, les gars du théâtre, là, tu es sur la scène, c'est pas comme à la télé ou à la radio. Et puis, on a commencé avec des devanciers comme Maman, qui nous ont dit, bon, écoutez, on vous met sur scène. Puis, tu étais sur scène, je lui dis, ah, c'est ce qu'il ressentait. Parce que c'est ça, vous parliez tout à l'heure d'un complexe, mais c'est surtout quand on est sur scène, ce qu'on pense nous-mêmes, ce qu'on dégage, ce qu'on reflète, ce qu'on partage, ces émotions-là, je crois que c'est franchement un bravo pour vos métiers. Donc, Merci. C'est la mère de tous les autres arts. Ouais. Voilà. Tout converge vers le théâtre. Ben merci et beaucoup. Et la plupart des grands artistes viennent du théâtre, d'abord. Ouais. Ou finissent voilà. Ou finissent au théâtre. Oui. Alors, il me reste quoi? 1 minute 30 d'émission. Ouais. Donc, déjà. Parce que je me dis à quel moment j'allais me lever. Je parle à l'arrière. À quel moment je vais me lever pour prendre quelques livres pour partir? On te les enverra, tes livres. T'inquiète pas. Attends, on va trouver un qui n'est pas en français. Eh bien, alors, une dernière information importante pour tout le monde par rapport au récréatral, avant de se dire au revoir. Alors, c'est rappeler les dates oui. De la plateforme festival. Mmh. C'est du 24 octobre au 31 octobre. D'accord. Et puis, dire aux gens qui peuvent passer comme ça, nous voir, nous dire bonjour, c'est intéressant. Vous êtes en résidence de création, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas le droit de passer pas fermé, vous dire bonjour. Voilà. On crée chez l'habitant. Chez les gens. Donc, voilà, c'est ouvert. Ça se passe dans les cours. Voilà, et pas forcément pour regarder à nos heures de pause, à midi ou le soir. Dire bonjour. Discuter, voilà. Ouais. Et comme ça, ça leur permet aussi de voir la transformation de la rue petit à petit. Voilà. D'accord. Donc 24-31. 24. C'est pris, c'est noté, mais déjà à partir du 14, vous bossez dur, vous pouvez aller voir tranquille. Voilà. Voilà. Que les gens commencent à préparer leurs masques. Gel et tout ce qu'il faut pour venir. Ça part que des avantages. Quand on est masqué, c'est bien. Si, ça aide souvent sur certains aspects. Ben voilà, c'est l'heure pour nous de nous dire au revoir, déjà, Brice. Déjà? Oui. Je me lève à quel moment? Mais non, tu restes là, attends, quand non, on va mettre les jeunes. Non, mais à quel moment je le mélange les cheveux? Parce que je m'étais promis que j'allais faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne peux pas les mélanger plus que ça. C'est déjà suffisant. Eh bien, merci beaucoup, Brice, d'être passé sur ce site. Merci, messieurs. C'est un grand plaisir. Surtout merci à tous les téléspectateurs. Je parle à la caméra. Voilà. Merci beaucoup, franchement. Je suis toujours content de venir au Burkina Faso, de venir sur ce plateau-là. Félicitations à la télé, parce que j'ai vu le sondage. Ah ouais, après ça, peut-être on va plus m'inviter sur nos télés, mais c'est pas grave. Merci beaucoup. Merci. Bah, tu parles de ta maison, c'est normal. Merci beaucoup à Aristide avec les récréatrales. Merci beaucoup à Safourata. Merci beaucoup à Issou. Merci à Odile. Merci à chacun d'entre vous. On espère que vous, à la maison, vous aurez appris quelque chose et qu'on a contribué peut-être à changer votre regard et votre appréhension du théâtre et que vous allez faire partie de ceux qui n'ont pas encore été au récréatal et qui, cette année, vont s'obliger à y aller
pas parce que c'est obligatoire, mais parce qu'ils ont envie de voir, de vivre l'expérience et de partager quelque chose avec ces artistes-là qui viennent d'un peu partout dans le monde, ça serait vraiment dommage d'être à Ouagadougou et de louper ça. Franchement, ouais. Sérieusement. C'est pour tout le monde. Vas-y. Mesdames, Messieurs, cette émission était présentée par l'excellentissime Stéphanie Zongo. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée, à demain, au revoir. Voilà, donc on ne peut plus acheter autre chose. Mais là, tu peux te lever. Oui, oui. T'es fâché? Je suis fâché. Oh, lève-toi. Alors, il y a un livre qui est écrit. Bon, tu vois le roman rose là, je ne sais pas.